maintenant, on va s'attaquer morceau, petit morceau, enchaînement par enchaînement. Ce qui n'est pas très, très compliqué à danser, on va le faire comme ça, le filant, et on s'arrêtera à chaque fois qu'il y a des enchaînements qui pourraient poser quelques questions à certains ou certaines d'entre vous. On va effacer tous les points d'interrogation qu'il pourrait y avoir. Voilà. Donc le début est simple, on va faire le quad avance, on va faire le quad simple, on va faire aussi le coup bas simple, et après on s'arrêtera, on verra pourquoi. Thank you.
aller-retour. Après, nous avons le coupa qui annonce le mira et ainsi de suite. C'est aussi un enchaînement qu'on voit très souvent. Ça y est, dans Monem, par exemple, il y a un coupa, mais là, faut faire gaffe parce qu'il faut faire attention, il y a un seul mira. Des fois, on a envie d'en faire deux, donc c'est pour ça que je vous préviens dessus. Donc, coupa, bira, simple presse, et bien sûr deux fois. Et après, il y a la toute ferme aussi, qui est construite un peu comme, je crois que c'est la fin du labour qui est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que les enchaînements ne sont pas tout à fait les mêmes. La première fois, on a un simple pour finir. La deuxième fois, on a un simple tresse qui assoit bien la ferme. Et on sent bien que là, on est arrivé au bout et on est très content. Je pense que depuis le début qu'on le fait, je n'ai pas vous demandé les deux premiers enchaînements. Vous devez commencer à le savoir.